Elena, Star Academy, bouleversée dans les coulisses du prime, j'ai pleuré toute mon âme. Un tableau des plus émouvants. Lors du dernier prime de Star Academy, Elena a rendu un hommage poignant à sa grand-mère en interprétant le titre Vol de Céline Dion. Lors du débriefing avec Cécile Chaduteau, dévoilé dans la quotidienne ce lundi 22 janvier, la jeune femme a révélé avoir été très émue lors de la diffusion du magnéto, avant sa prestation. Une prestation riche en émotions. Lors du 12e prime de Star Academy, diffusé ce samedi 20 janvier sur TF1, Elena a eu l'opportunité de rendre hommage à sa défunte grand-mère au cours d'un tableau chanté dansé qu'elle a monté de A à Z. Sur le plateau du studio 217, la jeune femme de 21 ans a bouleversé le public et le corps professoral en interprétant le titre Vol de Céline Dion. Au lendemain de sa performance, la pétillante belge a eu l'occasion de revoir les images lors du fameux débriefing de Cécile Chaduteau, épaulée par un invité surprise, David Hallyday. Au moment de livrer son ressenti, Elena a révélé avoir vu le magnéto avant de monter sur scène. Un moment en coulisses qui a littéralement submergé l'ami de Pierre. Ça m'a mis dans un état. Je me suis dit, comment je vais faire? Du coup, ça m'a perturbé. Pour la première phrase, j'ai oublié toutes les paroles, j'avais l'impression que j'avais tout oublié et que je ne savais plus rien faire, a-t-elle confié lors de la quotidienne de Star Academy, diffusée ce lundi 22 janvier. Avant de poursuivre. Et j'avais l'impression de ne plus savoir chanter. Vraiment, j'étais dépourvu de tout ce que j'avais appris, il y a eu une coupure pub et heureusement parce que j'étais dans un état. En revenant sur cette séquence hyper intense, la fille de Brigitte n'a pu contenir ses larmes. Je suis hyper heureuse d'avoir vécu ce moment. J'ai pleuré toute mon âme juste après, ça m'a fait trop du bien, a-t-elle confié. Et d'ajouter, c'était trop beau. Je suis trop contente d'avoir pu faire ça. Après lui avoir laissé la parole, Cécile Chaduteau a tenu à la féliciter pour son merveilleux hommage. Elena, ce qu'on voit, c'est juste incroyable. Tu t'es totalement épanouie, ouverte, etc. Là, c'était une mise à nu totalement. J'ai trouvé ça d'une maturité et d'un grand professionnalisme, a souligné l'ancienne danseuse de Kamel Wally. Star Academy, David Hallyday très ému par l'interprétation d'Elena. Si elle a su transporter le public et sa professeure d'expression scénique, Elena a également profondément touché David Hallyday. Le fils de Johnny Hallyday a salué sa prestation et son talent. Tu as une espèce d'hypersensibilité, attends, je suis un petit peu bouleversé par son truc, a-t-il déclaré la voix enrouée par l'émotion. Et pour cause, le chanteur de 57 ans a connu la même expérience que l'académicienne. Happé par l'interprétation d'Elena, David Hallyday a totalement zappé les petits détails techniques. Mais je t'ai trouvé très gracieuse et très naturelle. Ça m'a bouleversé. Je n'ai rien à dire, a-t-il conclu. Un avis qu'a amplement partagé Cécile Chaduteau. Tu es vrai, juste, sincère, authentique. Elena a bel et bien fait l'unanimité.